au bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous allez me regarder. Mes scorpions, c'est à votre tour. Allez, let's go, mes scorpions. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est les énergies relationnelles, le travail, la hiérarchie, responsable, chef, la direction, nanana. Ça peut être les collègues, il ou elle ou plusieurs. Ça peut être la famille, les amis, quelqu'un au niveau des sites, le relationnel, hein, d'accord. Et puis ça peut être sentimental, hein. Donc là c'est pour mes célibataires, on verra tout à l'heure. Et là c'est pour en couple, en relation ou triangulaire, hein, d'accord. Donc on va regarder un petit peu. Donc je vous remercie pour tous mes abonnés qui me suivent, je vous fais de gros bisous, hein. Et puis pour ceux qui vont s'abonner, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne Lati Natura. Bienvenue à vous et merci de vous abonner. Donc il y a la petite cloche, donc l'abonnement, s'abonner, mais il y a la petite cloche à actionner et une encoche. Il y a marqué toutes, on clique sur toutes s'il vous plaît. Et c'est comme ça que vous saurez la prochaine fois quand je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez une notification. Vous voyez ? Allons-y. On prend bien que ce qui nous parle, c'est une générale. Hein. Ce n'est pas comme quand je vous ai en consultation téléphonique avec moi ou que vous avez choisi le mode, le format vidéo, parce qu'il y a des personnes timides, il y a des personnes qui sont, qui n'ont pas le temps. Et donc, en fait, ils choisissent une formule. Il y a plusieurs formules pour le mode vidéo. Et puis, il règle la vidéo et vous la recevez, enfin vous l'avez en privé bien entendu, hein, sous 48 heures, voire 72 heures si j'ai trop de choses à faire. Mais j'essaie parfois même 24 heures, vous voyez. Mais bon, moi je dis 48-72 heures, mais sinon 95% je vous ai au téléphone. Mais vous avez ce mode-là aussi également, hein, d'accord. Mais vous avez tous sur, vous avez aussi le soin ancestral, il y a un récapitulatif, si vous reconnaissez dedans que vous en avez besoin, et bien vous savez quoi faire. Il y a tout de toute façon sur mon site natinatura.com. Il y a mon mail aussi, natalia16000natier@gmail.com. Vous avez en dessous où il y a écrit, en dessous de la vidéo il y a écrit plus, vous cliquez dessus, ça se déroule. Il y a aussi mon site à bijoux Tiffany & Joyce, mais les bijoux en acier inoxydable avec de vraies perles et tout ça, de vraies pierres. De l'argent, je n'en ai presque plus, hein, finalement, voilà. Mais vous avez aussi, si vous avez besoin d'un photographe, grossesse, mariage, fiançailles, photos de famille, amis, eh bien, vous avez Nicolas, il y a son site, hein, d'accord. Bon, vous prenez que ce qui vibre, voilà, c'est simple. Allons-y, l'as de feu. Il y en a qui vont faire une rencontre, hein. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Alors après, ça peut être relationnel aussi, qu'on va rencontrer quelqu'un et qui va devenir une amie ou un ami aussi, hein, d'accord. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel également, transformer votre vie dès maintenant. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation, il y a quelque chose que finalement... vous allez en rire. Il y a aussi quelqu'un qui va dédramatiser. Il y a aussi quelqu'un qui avec le temps, aujourd'hui ou bientôt, va en rire, va se dire finalement... cette personne était vraiment pas faite pour moi, finalement, voilà,
Mais vous allez en rire, vous allez bien le prendre. Hein. C'est pas tout le monde, hein, par contre. Par contre, certains, vous pouvez m'appeler parce que je vois qu'il y a la boule de cristal, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Il y a l'occasion de faire la rencontre. Hein. Et puis, certains, un avancement professionnel, peut-être que relationnellement, bah écoutez, on ne vous dit pas tout, mais on vous a repéré. Et puis, transformer votre vie dès maintenant. Bon, il y a du positif, hein. Il y a du démarrage dans l'air, hein. Ensuite, on vous dit, ouvrez votre cœur, votre esprit à ceux qui vous entourent. Peut-être que vous l'avez fermé, que vous vous êtes durci par déception. Voilà, parce qu'on vous a déçu, on vous a blessé, on vous a trahi, ou alors on vous a dupé, ou alors vous voyez ce que je veux dire. Donc, fait du mal et tout ça. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur, mais doucement, mais sûrement, hein, 20h20 en plus, quand c'est passé à 21h, trop tard. Mais ça compte quand même, 20h20. Doucement mais sûrement, comme la confiance, on la donne pas comme ça, on donne pas comme, son cœur comme ça, on tend pas son cœur comme ça. Mais en tout cas, ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis, bien anti de la part d'une personne qui est expert, qui est digne de confiance, qui peut vous prodiguer ses conseils. Travail caritatif pour certains et certaines. On peut rencontrer quelqu'un là, hein. Alors, ou relationnel ou au niveau sentimentalement parlant. Certains de vous, vous allez vous dire stop. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Oula, il y a des décisions, hein. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Il y a la joie qui revient, la gratitude. Vous serez en gratitude, hein, d'accord? Donc, voilà. On vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Mais en tout cas, on va recevoir un cadeau divin. Et là, vraiment, 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 ça me parle de ça, hein. Dévotion en m'engageant. Voilà, il y a un engagement. Donc que ça soit, après, relationnel, c'est aussi le boulot, hein. Voilà. Ici, on s'élève à une étape supérieure, il y a du changement dans l'air, il y a un nouveau départ pour certains et certaines de vous. Maintenant, c'est une générale, ça ne parlera pas à tout le monde. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois ce que je dois faire. D'accord? Bon, certains, vous allez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. D'accord? Il y a un choix à faire dans cette histoire. Hein. Dans votre histoire, hein, d'accord? On verra après. Hein. La solution, le choix, hein, on va le faire, on va solutionner. Hein. Certains, vous allez vous libérer hein, aussi, ou vous allez libérer une personne, ou une personne va être libérée. On passe d'une rive à une autre, tout ça, ben, je les prends, j'en voulais qu'une. Hein. Ouais. On monte en haut au sommet du clocher ou au sommet du beffroi ou de la tour. Et là, vraiment, vraiment, vous avez un cobra. Enfin, je sais pas si c'est un cobra, mais en tout cas, vous avez un 7. C'est le 7 d'épée, ça. Et le 7 d'épée, ben, en fait. Je comprends mieux. Donc, mes célibataires, on vous a trahi. On a été malhonnête avec vous, on a été méchant. Il y a quelqu'un qui vous parlait mal, qui vous manquait de respect. Et pour d'autres, en couple, il y a une triangulaire.
Pour d'autres, vous avez deux personnes dans votre tête, vous avez perdu le nord et du coup, vous ne savez plus très bien quoi faire en fait. Hein. Bon, en tout cas, on a besoin de clarté, de lumière, hein, d'accord? Pour certains de vous, vous avez besoin de divertissement et pour d'autres, vous avez bénédiction, vous avez, pour cet été peut-être, hein, bénédiction, il y a quelque chose d'officiel, hein, d'accord? Qu'on officialise et il y a la chance ici. Et pour d'autres, il y a la rupture. On coupe. D'accord? Donc ici, on construit peut-être un couple ou alors les mariages, fiançailles, grossesse, achat de biens ensemble, rencontre, sécurité, stabilité, équilibre, officiel. On a la chance aussi, hein, d'accord? Bon, on va regarder. Mes célibataires, de toute façon, je vais vous faire tout. Mes célibataires, il y a quoi? Aimez-vous d'abord, respectez-vous, et cela vous rendra plus attirant, attirante. Ici, exprimez votre amour. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui va vous intéresser, et vous avez demandé, pour certains, vous avez fait vos demandes, hein, vous avez écrit, vous avez pris une feuille ou deux ou trois, j'en sais rien, mais vous l'avez bien défini la personne, hein, d'accord? Pour d'autres, on vous demande prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, mais il faut la définir, la décrire. Mais comme il faut, hein, pas juste dire blond, aux yeux marrons, et puis... j'en sais rien, c'est ou brun, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment de la définir. Mais en tout cas, il est temps on s'aime à nouveau, on se choisit aussi, pour certains et certaines, hein, il y avait un choix à faire. Mais par contre, certains, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin d'aide, de soutien. Je pense qu'il y a une rupture qui n'est pas si évidente que ça ici, hein, qu'on subit. Il y a des problèmes. Vous avez besoin de savoir si c'est un amour non réciproque avec cette tierce personne ou si il ou elle vous a aimé. Pour d'autres, vous posez beaucoup de questions. Hein. Pour d'autres, en fait, le fait d'être célibataire, vous êtes occupé à traiter certaines choses, hein, certains problèmes. Et là, en fait, il y a la rencontre, hein, vraiment ici. Hein. Il y a la rencontre. Hein. Et il y a le lâcher prise sur le passé, du coup. Hein. Ouais. Vous occupez des finances, certains de vous et certaines, des dettes, des choses comme ça. Oui, il y a le nouvel amour, hein. J'en voulais pas autant. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Je pense que vous êtes très à l'aise pour vous raconter, vous dire certaines choses en fait. Ce sera très fluide entre vous. Hein. Ok. Par contre, c'est quelqu'un qui va pas bien hein, à cause de cet amour non réciproque, pas assez d'attrait chimique ou plus, vous voyez? Et vous l'avez hein, ici, hein, de toute façon, à la fin. Alors, félicitations pour les mariages, fiançailles, grossesses, je le redis, hein, tout ce qui est... vraiment, vraiment de l'ordre. Tout ce qui est de l'ordre. Voyez, de l'ordre, comment dire, officiel. Voilà. On s'élève à une étape supérieure. Bon, on a quelques doutes, des peurs, plus, des craintes, des doutes, ça arrive. Même quand on va se marier, on est comme ça. Les petites peurs, vous voyez, le trac, des trucs comme ça. Par contre, il y a quelqu'un, vous savez plus quoi faire en fait dans cette situation par rapport à cette rivale ou ce rival. Et j'ai quelqu'un qui pense qu'il a la rage, qu'il a la rancune,
tenace, qui a envie de se venger, l'écroulement qui peste, qui souhaite du mal, qui... Oula! Qui est dans la panique. On n'arrive plus, même plus à discuter, ça va pas, les choses, on se demande beaucoup de choses. On se dit, peut-être c'est un divorce ici, hein, l'écroulement aussi. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à lui ou à elle? Qu'est-ce qu'elle lui trouve à lui ou à elle? Vous voyez? Et on peste, on a la rage ici, on a la rancune, on a la colère par rapport à cette vérité, hein, c'est le soleil. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui est intéressé par une autre personne, hein. Un des deux, hein, d'accord? Mais la vérité se sait ou va se savoir, hein, de toute façon, hein, ici. Hein. Ouais, ça peut parler d'un divorce et c'est pour ça que vous tombez dans mes célibataires. D'un divorce ou d'une rupture et que, bah oui, qu'aujourd'hui vous tombez dans mes célibataires. Après, c'est pour tout l'été, hein. N'avez pas marqué redressez-vous chez vous? Je me redresse. Vous allez vous redresser, je me redresse, je fais ce qui doit être fait. Vous allez vous redresser, hein, d'accord? Ça c'est sûr. On emprunte un autre chemin finalement et on quitte un autre chemin. Il y a le avant, il y a le après. Ouais, vous allez retrouver votre force, mais bon. Ouais, en attendant, vous êtes dans cet état, hein, quand même. À cause d'une tierce personne, il y a un divorce. Et là, on se sent perdu. On a l'impression que la terre, se dérobe en dessous de nos pieds et c'est l'écroulement, vous voyez. Ça parle aussi, un des deux a déménagé ou un truc comme ça. Ou alors ça parle aussi de par rapport au bien immobilier, peut-être aussi, hein. Que si c'est un divorce, il va falloir séparer l'argent, séparer. Et ouais. Et il y en a un des deux qui est content, mais pas l'autre, quoi. Et vous vous demandez, vous vous dites, ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a la tristesse. On ne va pas bien. On va pas bien là, ici. Ouais, vous avez du mal, vous jonglez. On va voir en couple. Mais vous vous redresserez, hein, vous allez guérir, hein, mais vous reprendrez votre force aussi, mais vous avez besoin d'aide là. Faites-vous aider, restez pas comme ça, moi je suis là. N'hésitez pas avec une consultation, le soin ancestral là aussi. Hein. Alors, en couple, en relation ou triangulaire, justement. On vous parle de Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle de la pause. Est-ce que c'est une vraie pause? J'en sais rien. Parce que j'ai quand même amour éphémère, amour passager, flirt. Soit avec vous ou alors à l'extérieur. Hein, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui a deux personnes dans sa vie, dans sa tête, hein, d'accord? Dans son cœur. Mais c'est la crise dans un couple. Pour d'autres ici, bah, bénédiction, hein, bravo, vous vous élevez à une étape supérieure, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous êtes trouvé. C'est vraiment... deux moitiés qui font qu'une, hein, qu'un. Et vous avez la protection divine, hein, d'accord?
Alors, il y a des difficultés de communication où on ne se parle plus, où on s'est bloqué, ou si on se parle, c'est très difficile. Ou alors, on n'arrive pas à passer au-dessus et du coup, il y a des reproches. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a un choix à faire ou le choix a été fait. Il y a un des deux qui est dans le superficiel, élégant, mais pas sérieux, sérieuse, qui se permet des choses, qui apporte dans la relation la stabilité. La situation, elle est complètement instable, d'accord? Il y en a un des deux qui est dans l'échec à cause de cette tierce personne. On a là de la fumée qui sort. Ouais. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est karmique en plus, c'est prévu. Hein. Succès, bénédiction. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien, mon Dieu. Parce que cette personne a été rigide ou trop dure avec vous. Et là, cette personne, oh là là, mais vous allez être dans la joie. C'est quelqu'un qui a les moyens, en tout cas, aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui est épicurien, qui a les belles choses, qui a de l'humour. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Oh là là, mais c'est magnifique, hein, là. Hein. C'est magnifique. Et puis après, là, moi, j'ai une fin de cycle, hein, de toute façon, et j'ai la personne. Moi, j'ai les deux côtés. Hein. Bon, vous mettrez du temps, mais parce que là, il y a peut-être on lance des éclairs ou des lances. Mais il y aura une rencontre subite. Hein, et on vous parle de balance scorpion-sagittaire. Là, je fais les scorpions. L'ex, qui trompe. Non, mais de toute façon, il y en a un des deux, et même vous deux, vous êtes devenus toxiques, et il y en a un des deux qui est toxique pour l'autre, sinon. Mais là, il y en a un qui est complètement blessé, il va falloir se soigner, il va falloir penser à vous, hein, vraiment. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous attend, mais de merveilleux, hein. C'est quelque chose. C'est magnifique. Merveilleux. Alors je sais ici c'est l'horreur, mais là ouais, un nouveau départ, un zéro, et puis il y aura une personne, un magnifique. Pour l'instant il y a le départ de quelqu'un, d'accord. Il y a quelqu'un qui est agressif, hein, d'accord. Peut-être que vous aviez voulu un enfant avec ou quoi, mais quelqu'un finalement qui est agressif. Finalement, c'est quelqu'un aussi qui est très opportuniste au niveau de l'argent, mais aussi. Ouais. Qui est violent, qui est agressif. On est triste. Ouais, j'ai la malhonnêteté. C'est le diable en personne. Voilà. Et en plus, vous l'avez materné, chouchouté, et bah après, bah, cette personne, elle vous fait ça. Elle vous met le coup de poignard dans le dos. Voilà. Bon, ça parlera pas, c'est particulier, ça parlera pas tout le monde, c'est sûr, hein. Mais je vous assure qu'il y a autre chose à vivre avec une autre personne. Bon, prenez soin de vous et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous avez mon site, comme je vous ai dit, natinatura.com. Et sinon, ben, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Gros bisous.